Bonjour à tous, c'est Ayao sur Street Fighter Cross Tekken sur Xbox 360. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la command list de Jin Kazama. Alors, j'ai fait celle de Kazuya, je ne l'ai pas faite entière. Donc on va essayer celle de Jin Kazama. Hein. Donc voilà, hein. Là j'ai fait un pouvoir. Hein. Donc j'ai fait Hadouken, j'ai fait Caravan 3 points. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est stylé tout ça. Voilà, bon, allez, hein, on va essayer. Ah, j'ai même pas testé les prises de Kazuya. Hein. Ah, j'ai eu une bonne idée. Hein. Bon, bref, hein. Donc, prise avant, voilà, hein, la prise charismatique de Tekken et la prise arrière, hein, voilà. Hein. Voilà, et donc, on va essayer la prise de Jin. Donc, ça, c'est la prise où il faisait. Fallait faire un 8 plus 2 boutons hein, dans Tekken et sa prise arrière. Voilà, il pète le bras. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà. Donc là, ça passe complètement. J'ai fait saut gros pied, step gros point et Fury. Voilà, bon, allez, on va faire quelques petits coups, hein, sachant que je n'ai j'ai pas tout fait hein, de Kazuya, hein, j'ai pas testé tous les coups. Donc lui aussi, hein, il a le Mist Step. Hein. Putain, j'arrive même pas à faire un combo, un Shoryu encore, je vais dire, hein, c'est grave. Hein. Voilà, hein. Okay, bon, j'ai... Voilà, donc ça c'est avec le médium. Hein. Alors dans Tekken j'arrive à faire ça, mais dans Street Fighter, comme là c'est en mode Street Fighter, j'ai un peu du mal hein, à faire les misstep. Hein. En tout cas là ça c'est le misstep medium punch et là on a le misstep light punch. Hein, donc voilà. Donc durant le spécial step, hein, donc light punch, medium punch, ou on a medium kick, hein. Voilà, d'accord. Voilà. Et là, c'est avec light kick et medium kick, hein. Donc voilà, j'imagine que ça fait overhead, hein. Alors, donc voilà. Juste voir si ça passait, donc ça passe, ok, nickel. Ensuite ça passe, non ça passe pas, ok, non, c'est pas grave là. Donc là c'est coup normaux hein. Light kick, medium kick, H kick, hein. Bas light kick, bas medium kick, balayette, bas light punch, bas medium punch et bas gros point le podcast. Hein. Donc ça c'est un bon entier. Ça. Voilà, hein. Ensuite, alors j'en étais à ça, hein. Donc hein, le spécial step avec light kick et medium kick. Hein. Voilà, hein, voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Voilà, durant le spécial step, medium kick, kick, kick. Ok, d'accord. Hein, donc, je vais le faire de l'autre côté. Bon, je sais pas. Ici, hein. Donc, vous voyez, hein, donc les persos Tekken qui ont aussi leur manip à eux. Hein, voilà. Alors, il dit. Durant le spécial step, medium kick, kick, kick. Bon, j'ai pas réussi à le faire, mais je vais pas m'attarder dessus. On a car arrière point. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour contrer. Hein. Voilà. Donc après, là, ça contre ce que veut faire l'adversaire. Faut voir si on peut le faire à la relevée.
Ensuite, on a avant, arrière, avant, point. Ok, d'accord, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, je l'ai fait avec le médium et là avec le gros. Et on va essayer avec le ex. Et ça wallbone, ça. D'accord, donc c'est avant, arrière, avant hein, qu'il faut faire. Donc faut pas charger. Juste faites avant, arrière, avant, point. Et ça fait donc le median line destruction. On a bas, kick, kick. Ok. Non. D'accord. Donc là, hein, vous faites bas et deux kicks. Hein. Et deux pieds, bas deux pieds, voilà ce que ça donne. Hein. Donc il se met, il fait sa stance, hein, et j'imagine après il y a les variantes. Hein, voilà, hein, voilà ça, avec le medium kick, voilà, hein, avec le gros. Attends, mais c'est le même. Ouais, ouais. Et là, on va voir avec les points. Donc là, c'est avec le light punch. Hein. Là, c'est avec le medium punch. Et là, c'est avec le gros point. Ouais, en fait, le médium et le gros, que ça soit en kick ou en point, il fait exactement la même chose. Hein, d'accord? Donc, ok. Donc, light. Alors, là, il a un petit combo. Light punch, medium punch. Ok, on va voir ça. Voilà. Voilà. Voilà, ok. Nickel. Donc ça a l'air pas mal. Hein. Donc on retrouve les sensations Tekken, même sur du Street Fighter. Moi je trouve que c'est fort hein, ce qu'ils ont fait. Capcom pour le coup. Et là on a Caravan point. Donc c'est ça. Hein. Cette fameuse boule. Qui met à terre. Hein. Elle met à terre la boule, mais pas quand on la fait en X. Hein. C'est-à-dire si vous faites ça. Hein. Vous voyez, hein, en X, elle n'est pas à terre. Hein. Bon, voilà. Hein, et quand on charge le caravan point, eh bien, il y a la furie. Voilà. Vous avez l'habitude. Alors, aussi, je crois qu'on peut faire ça. Non, j'ai foiré. Voilà. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, il le tape sec, hein. Que je voulais faire avec le caravan. Putain, ça dure longtemps. Ah oui, bah oui, puisque là je suis en training. Donc là je peux pas faire le caravan. C'est trop marrant, moi je kiffe hein, ces modes là. Alors en fait ce que je voulais faire c'est avec le caravan en fait. Voilà. Donc ça c'est caravan avec les deux médiums, hein. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça donne que les deux persos font leur pouvoir. Alors, si j'ai autant de mal à le faire, c'est parce que mon stick, voilà, bah, il fonctionne pas bien. Donc, voilà. Allez, recommencer. Hein. Et voilà. Et un. Allez, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme coups spéciaux pour Kazamajin hein, putain, ça va être dur hein, de faire tout ça. Ça va être dur de mettre en pratique tout ça. Donc loin de l'adversaire, on a Light Punch, Medium Punch. Pourquoi loin de l'adversaire? C'est bizarre ça. Ça ligne, ça c'est normal. Je comprends pas. Loin de l'adversaire, light punch, medium punch. Loin de l'adversaire, light punch,
Medium punch, light kick. Moi, je vais aller faire près de l'adversaire, moi. Voilà. D'accord, bon, loin de l'adversaire, ouais, en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne, mais je vois pas l'intérêt. En fait, c'est que ça donne une animation. Tu voyais, light punch, medium punch au corps à corps, voilà ce que ça donne. Et au loin, ça donne ça. Voilà. C'est une animation différente, hein, ouais, bon, bah, est-ce qu'on peut toucher donc l'adversaire avec ça, vu qu'il faut le faire loin de l'adversaire, c'est assez étrange. Ensuite, on a light punch, medium kick. Voilà, donc ça, c'est les combos qu'on retrouve dans Tekken 6, hein, bien évidemment. Hein. Voilà, ensuite, on a Kazama Style 5 hit combo, light punch, light kick, medium punch, light punch, medium kick. Waouh, alors attends, ça fait tac, 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 tac. Alors, tac, 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 tac. Oh là, attends, ça m'a l'air trop relou. Kazama Style 6 hit combo. C'est avant, light kick, light punch, light kick, medium punch, light punch, ah, medium kick. Ouais, bon, ouais, voilà, bon. Et sinon, on a Shun Masatsu, hein. Ça me paraît beaucoup plus simple. C'est arrière, medium punch, light kick, hein. Donc, light punch, hein. Ouais, là, parce que les autres, là, c'est trop compliqué, hein. Voilà, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps à essayer pendant 10 minutes de faire ces combos là, hein. Donc voilà, hein. Donc c'est pas si facile, si vous voulez, hein. Le jeu, il est facile à prendre en main, mais il est quand même assez technique, hein. Hein, voilà, hein. Voilà, notamment si je fais un, hein. Ouais, tu voyais. Ouais, c'est pas évident, hein. Ça va être dur, hein. Franchement, ça va être dur. En tout cas, voilà pour Jin Kazama. Maintenant, je vais essayer d'affronter l'ordinateur. Je vais prendre un de ces deux persos. Voilà. Et on va essayer de faire un petit quelque chose. A tout de suite.